Alors, voilà, je vous explique. Coucou, alors voilà, j'ai rendu la cage, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je ne suis pas capable de le faire. C'est trop compliqué, quand j'ai entendu le couperet comme ça tomber, comme ça, ça m'a achevé. Donc, je suis trop anxieuse. Donc, du coup, elle m'a dit, écoute, Sybille, on peut pas laisser ce chat comme ça. Elle me dit, il est malade, tu le vois bien. Je dis, j'ai pas l'impression. Elle me dit, je te dis que si, il faut le soigner, il faut qu'on le guérisse. Et pour ça, il nous faut du temps. Alors, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, ben, viens, viens, demain, tu fais le ménage, tu donnes à manger aux animaux, tu nettoies tout, tu nettoies les litières, tu fais partie de l'association, et nous, on se prend du temps dans la semaine, voire lundi ou mardi, ou même là, on prend du temps dans la semaine, puisque toi, t'en as pris, et on vient attraper le chat. Elle me dit, il faut le faire, il va mourir, Sybille, il est malade. Tu peux pas le laisser comme ça. Il regarde, il peut même plus cracher. Je dis, mais non. Elle me dit, si, je te comprends que tu aies peur. Elle m'a dit, je comprends que t'aies peur. Elle dit, moi, je t'ai demandé de le attraper parce que j'ai vu que tu étais capable de le faire, mais je savais pas que t'étais anxieuse. Alors, elle m'a dit, écoute, donc demain matin à 10h, je vais à l'association, je vais faire partie de l'association. C'était mon rêve, donc c'est très bien. Je le ferai peut-être 2 fois par semaine. Et du coup, ça me fait super plaisir. Je vais m'occuper des animaux et en même temps, eux, ils vont pouvoir, du fait que moi, je vais m'occuper des animaux, eux, ils vont pouvoir faire tout simplement le trapage de l'animal. Voilà, parce que c'est compliqué, parce que la cité, elle n'est pas évidente. Donc, ils ne sont pas nombreux. Donc, si vous voulez participer avec moi à Paris, dans le 13e, à une association... je pense à Jacqueline, je sais pas pourquoi. Eh bien, allez-y, venez, voilà, demain matin, moi j'y serai à 10h, contactez-moi en MP, en privé, sur Sybille, ce soir on va se marier, @gmail.com, voilà, ou sinon je vais vous donner mon téléphone. Putain, si je donne mon téléphone, c'est dramatique. Je sais pas si je donne mon téléphone. Si, demandez-le moi et je vous le donne en privé, ok? Voilà, je vais pas le donner là comme ça. Mais voilà, donc du coup, s'il y en a qui veulent participer, qui sont dans le 13e, go, hein, qui viennent, hein, qui me le disent et on y va ensemble. Et du coup, on va faire ça, on va nettoyer, je vais balayer. Ce que je fais sous la voiture, et ben là, je vais plus le faire sous la voiture. Je vais le faire avec peut-être 50 chats, je sais pas. J'espère juste que je suis pas allergique, parce que je suis allergique à certains poils de chat. Alors là, ça va être chaud. Si je suis allergique à certains poils de chat, je vais prendre mon traitement, mais je le prends régulièrement. Donc ça devrait le faire. Sur ce, ben voilà, c'était une petite news qui est importante. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas attrapé le chat, mais elle m'a dit, Sybille, il faut le faire. Elle me dit, je comprends que tu es angoissée, que tu peux pas le faire, je peux comprendre, je l'ai compris tout de suite. Elle dit, mais nous, si tu viens à la maison demain, on te met sur le planning, nous, on peut dégager du monde pour que quelqu'un vienne trapper le chat, et il viendra le trapper. Et le monsieur, on comprend bien ce qu'il veut dire, mais ce chat, il souffre, il est en grande souffrance. Elle dit, peut-être on va être obligé de lui enlever des dents, parce que, justement, peut-être il a le sida du chat, peut-être, il faut qu'on le soigne. Il n'y a pas de souci, il faut le soigner, on a un petit chat là, en ce moment, il est comme ça. Elle dit, ben lui, on va le soigner, et tu verras, ça se trouve, il n'a rien, mais, non, elle n'a pas dit qu'il avait rien. Elle a dit, ça se trouve, il n'a pas le sida, mais c'est possible, parce qu'il n'a plus ses poils, il se lave plus, et il a beaucoup de poils, donc on va voir ça. Donc elle me dit, on va le trapper, on va le soigner, on va le mettre bien. Voilà. Donc moi demain je vais à l'association et comme je voulais y aller, bah, c'est parfait, et je vais travailler demain. J'espère partir à 13h parce qu'il va faire très chaud chez moi et du coup je rentrerai pour 13h. Voilà, donc sur ce, je vais demain à l'association, ça y est, je fais partie de l'association. Je vais voir tous les jours, quel jour je vais y aller puisque je ne travaille pas l'après-midi. Et plus ça va avancer, plus ils vont pouvoir traiter des animaux. Voilà. Et moi, j'ai plein de petites maisons, plein de trucs. J'ai donné une belle licorne, toute neuve. Voilà, j'ai donné plein de trucs. Mais moi, je suis prête à acheter au moins 10 petites licornes, des trucs comme ça, quoi, des trucs jolis pour voilà, qu'ils ne soient pas dans des caisses. Je suis prête à le faire, sincèrement, je suis prête à le faire. Donc là, de toute façon, j'ai beaucoup de choses. Donc du coup, je vais leur donner, mais je les amènerai pas demain parce qu'il faudra qu'ils viennent en voiture les chercher parce qu'il y a trop de choses.
S'ils ont besoin d'un tapis, j'ai un joli tapis que j'ai acheté que bah, j'en veux plus. Je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps, mais ça va pas, j'en veux plus. Donc du coup, ouais, c'est moi, hein, vert et blanc. Du coup, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je vais faire partie de l'association Chat Doc. Je trouvais toutes les excuses du monde pour ne pas y aller parce que j'avais peur de trapper ce chat et voilà, et parce que c'est du travail et c'est pas évident. Et il est en souffrance, elle m'a dit, donc on peut pas faire autrement, Sybille. Elle m'a dit, nous on veut bien le prendre, tu peux pas faire autrement. Elle dit, nous on peut pas en ce moment. Mais elle dit, mais si tu viens travailler avec nous comme tu nous as dit, eh ben dans ces cas-là, tu viens pour bénévolement et il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, nous on peut, sans problème, on peut dégager du temps. Toi tu fais le ménage, Nadège elle va attraper le chat et elle ramène le chat et ça se trouve tu seras en train de faire le ménage. Voilà, mais il faut qu'on le prenne. Voilà, absolument. Donc ce chat est sauvé, il va être sauvé. Et du moins, il va être sauvé. Il va être mis dans l'association, on va s'en occuper, le vétérinaire va s'en occuper, ça va être voilà chaud. Elle a dit, si on voit qu'il ne s'acclimate pas, mais on va tout faire, hein, on va le soigner et tout. Elle dit, si on voit qu'il ne s'acclimate pas dedans, mais bien souvent, ils sont bien dedans. Hein. Elle dit, on va tout simplement le remettre où il était. Mais on le surveillera. Elle dit, quant au petit chat gris qu'on a vu, on va le prendre, on va le stériliser. Voilà, elle m'a dit, le chat, on n'a pas besoin là, parce qu'apparemment, il est âgé. Mais le petit chat gris, en fait, j'ai vu deux chats. J'ai cru que c'était... Vous vous rappelez, je vous disais qu'il était gris, et je crois que c'est le petit gris que j'ai vu. Et après, j'ai vu celui-là, et j'ai cru qu'il était dans un piteux état, mais je crois que j'ai confondu les deux chats, en fait. Et du coup, y en a deux, donc le gris, on va peut-être l'emmener, et puis peut-être après, on va aller dans la cité, on va prendre les chats, on va les stériliser, et on les remettra peut-être dans leur enclos s'ils se plaisent, parce qu'ils font par cité, hein. S'ils se plaisent, eh bien, même des cités dures, hein, des cités qui sont extrêmement dures, hein, qui font. Et s'ils se plaisent, eh bien, dans ces cas-là, on les gardera à l'association. Voilà, donc pour l'instant, il y a juste le chat là, et après, je vais m'occuper des autres chats. Voili, voilou. Voilà. Puis ma petite Ivy, je sais pas, en ce moment elle mange pas beaucoup, elle a peut-être chaud, je sais pas, elle mange très peu, très 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 peu. Vétérinaire, elle est pas là, mais je demanderai au vétérinaire s'il est là, ce qu'il en pense, mais sinon j'ai mon véto, dès qu'il arrive, je vais peut-être l'emmener chez le véto. Elle mange pas beaucoup. Mais peut-être c'est la chaleur aussi. Hein. Mais elle mange des bonbons, alors ça qui me... Elle mange des friandises, mais elle ne peut pas manger que des friandises non plus. Voilà, sur ce, je vous aime. Je vous dis I love you, je t'ai beudi, je t'ai kialo, ti amo. Voilà l'histoire du petit chat, Luki. Luki, on l'a appelé Luki. Hein. Luki est pratiquement bientôt terminé. Je pense que la semaine prochaine, c'est fait. Voire ce week-end, je ne sais pas. Mais moi, il faut absolument que j'aille demain travailler là-bas et donner à manger au chat bénévolement, vider les litières. ça va être dur, hein. Émotionnellement. Vider les litières, parler au petit chat, faire en même temps laver par terre, balayer, laver, voilà, faire le local propre. Voilà, voilou. Voilà. J'emmènerai peut-être des plantes vertes artificielles, on verra. Bon, voilà, on verra si je peux. Je ne sais pas comment est le local, donc j'y vais. Bon, écoutez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis I love you, je l'ai dit, je te quiero. Alors maintenant, le petit chat est sauvé. Bon, c'est une histoire d'une semaine. Le monsieur, tant pis, on ne pourra pas faire autrement. De toute façon, quand la personne... Moi, je ne serai pas là. Elle m'a dit, tu ne seras pas là. Je dis, non, je préfère pas être là. Je préfère participer à l'association qu'être là, à attendre que le chat soit attrapé, si un jour on arrive à l'attraper, d'ailleurs. Mais comme je voulais faire partie de l'association, voilà, c'est un fait. Je fais partie de l'association. Donc demain matin, 10h, allez hop, branle bas de combat. Je partirai à 9h. Et puis, on y va, go. On va s'occuper des chats, bénévoles. Ça fait longtemps que je voulais le faire, franchement. Voilà, ben sur ce, je me suis attaché les cheveux derrière. En fait, je fais un nœud avec mes cheveux. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vais me reposer parce que cette nuit, j'ai pas dormi parce que jusqu'à 4h du matin, il y avait plein de bruit. Mais aussi, c'était le PSG alors qui a gagné. Bravo le PSG, vive PSG, Paris est magique, ça c'est certain. Et bah oui, je suis une Parisienne. Hein. Et donc, il y avait du bruit, mais c'était pas... Voilà, il y avait de la chanson et tout. Mais j'espère que cette nuit, je vais bien dormir, franchement. Parce que comme il faisait chaud, j'ai fermé les fenêtres.
Et demain matin, quand je vais partir, je vais mettre la clim de façon à ce qu'Ivy ait la clim. Voili voilou. Bye bye. Ciao. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Désabonnez-vous si vous voulez, parce qu'en ce moment, tout le monde se désabonne. Alors, c'est pas grave. J'étais à 2690. Je suis redescendue à 2680. Bientôt, je vais être à 2000. Voilà, c'est pas grave. Bon, je vous embrasse. Si vous voulez voir mon, mon TikTok, c'est Sybille Choubidou 33. Et mon Instagram, c'est Sybille Choubidou 33. Je vais modifier parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je modifie. Donc, je vais modifier l'Instagram. Je vais remettre le bon lien. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis I love you. Je l'ai dit. Je t'ai dit l'autre. Yamou. Bye bye. Ciao. Apparemment, tu ne m'aimes pas.